Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. أشهد. أشهد. أن لا إله. أن لا إله. إلا الله. إلا الله. وأشهد. وأشهد. أن. أن. محمدا. رسول الله. Donc, est-ce que les enfants, vous êtes contents de votre livre? Donc, nous allons ouvrir le livre à la page numéro 6. D'accord? Et nous allons étudier la première leçon qui s'appelle les 5 piliers de... Les cinq piliers de... L'islam. Alors, cinq. Faites-moi voir avec votre doigt. C'est combien cinq? Qui sait compter jusqu'à cinq? Moi. En arabe. Moi. Qui sait compter en arabe jusqu'à cinq? Oui. Alors, on répète. Wahid. Wahid. Ithnani. Ithnani. Thalatha. أربعة أربعة خمسة خمسة واحد واحد اثنان اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة خمسة واحد واحد اثنان اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة Khamsa. Donc là, on va apprendre les cinq piliers de l'islam. Qu'est-ce que c'est qu'un pilier? C'est quoi un pilier? Qui sait? Alors, un pilier, c'est une chose qui va servir à tenir quelque chose, à retenir quelque chose. Tu as vu dans la mosquée? Est-ce que le toit, il tient tout seul? Tu as vu au milieu de la mosquée, il y a des grands poteaux. Tu les as vus ou pas? Ils servent, ils vont jusque où? Non, pas jusqu'au ciel. Ils vont jusqu'au plafond. Pourquoi? Pour éviter que le plafond, il tombe. D'accord? Venez avec moi, on va voir c'est quoi un pilier. Faites le silence, on va rentrer dans la salle de prière. Vous allez voir c'est quoi un pilier. Alors les enfants, vous avez vu c'est quoi un pilier? Donc, si on enlève le pilier de la salle de prière, qu'est-ce qui se passe? Tout y tombe sur notre tête. C'est pour cela que si le musulman n'applique pas les cinq piliers de l'islam, eh bien, son islam ne pourra pas tenir. Mais qu'est-ce que c'est l'islam? Qui peut me dire c'est quoi l'islam? Oui, Hamza. Oui, Hassan, pardon. L'islam, c'est une religion. Alors, très bien, c'est... C'est la religion musulmane. C'est la religion de vérité. La seule religion qui est vraie, c'est... L'islam. Est-ce qu'il y a d'autres religions? Oui. Dans le monde? Oui. Il y a d'autres religions. Mais est-ce que ce sont des vraies religions? Non. Ce sont des religions fausses, qui ont été falsifiées, qui ont été détournées, qui ne sont plus vraies. Qui connaît d'autres religions que l'islam, Hamza? La religion chrétienne. Voilà, la religion chrétienne. Et j'en ai une autre. Oui, Hassan. Les juifs. La religion juive, oui. Les... D'accord? Toutes ces religions-là, ils doivent impérativement devenir musulmans. Sinon, ils ne pourront pas aller au paradis. Celui qui n'est pas musulman, il ne pourra pas aller au paradis. Parce que la seule religion qu'Allah Azza wa Jal accepte, c'est l'islam. C'est l'islam.
c'est l'islam. Donc, est-ce que vous, vous allez toujours appliquer et suivre l'islam? D'accord, les enfants? C'est pour cela qu'on va tous lever nos mains et on va demander à Allah de toujours nous guider sur le chemin de l'islam. On dit Allahumma ihdini wa saddidni. Allahumma ihdini wa saddidni.